Bon allez, c'est reparti. C'est reparti, c'est reparti. Alors, le prophète nous fit entrer dans Pékin, où nous retrouvâmes à la Sodome inférieure. La vraie mission confiée par nos fondateurs. Et quand les mandarins et les hypocrites de Washington. À mort. Encerclez-le. Vite, suivez-le. Oh, c'est quand vous voulez les gars. D'accord, voilà, je les ai déjà tous tués, je crois que j'ai fait des battus marcore là. En fait, j'ai... Tous les autres sont morts grâce à ma boule de feu en fait. Et j'ai dû tuer seulement, ben voilà quoi, les deux bouffons qui sont venus là. Bon, ça c'est où on choisit d'augmenter sa vie, sa santé ou son bouclier, ou alors avoir plus de cristaux pour plus de pouvoir. Et moi je vais prendre bouclier. Et là on va trouver la clé. C'est la clé qui ouvre le coffre qu'on a vu dans la deuxième partie ou dans la première partie. Non, dans la deuxième partie, voilà. Qu'on va aller ouvrir d'ailleurs. Le grand libérateur cherchait-il donc à émanciper les Noirs? Du pain quotidien, de la noblesse d'un travail honnête, de bienfaiteurs fortunés qui les entretenaient du berceau jusqu'à la tombe, de leurs vêtements et de leurs toits. Et qu'ont-ils fait de cette liberté? Allez visiter Finton, et vous le constaterez par vous-même. Aucun animal ne naît libre, à l'exception de l'homme blanc. Et c'est notre fardeau que de prendre soin du reste de la création. Il y a un problème à chaque fois que je lance son pouvoir pour qu'il soit avec moi, mais il ne l'est pas. Tiens. Tiens. C'est pour vos balles, les gars. Ouais, j'ai lancé deux fois le pouvoir de possession. J'ai les ennemis, mais ça a pas marché là. Je sais pas, c'était un bug. C'est bizarre. Dommage. Bas de baleine. Le petit coffre, le petit coffre, le gros coffre. Bon, je vais prendre encore le bouclier. Voilà. Là, j'ai tout pris ici, parce que... Enfin, bah si. J'ai tout pris. Thank you.
Pourquoi le grand libérateur cherchait-il donc à émanciper les Noirs? Du pain quotidien, de la noblesse d'un travail honnête, de bienfaiteurs fortunés qui les entretenaient du berceau jusqu'à la tombe, de leurs vêtements et de leurs toits. Et qu'ont-ils fait de cette liberté? Allez visiter Finton, et vous le constaterez par vous-même, aucun animal ne naît libre, à l'exception de l'homme blanc. Et c'est notre fardeau que de prendre soin du reste de la création. Ah, excusez-moi pour ça, mais en fait, j'avais cru qu'on l'avait pas écouté, mais en fait, si. Peu après 13h cet après-midi, le voyou qu'on soupçonne d'appartenir à la Vox Populi a lancé une attaque violente. Les choses ont vite dégénéré. En proie à la plus grande haine, l'anarchiste a cruellement blessé un groupe de pacificateurs de Columbia avant de s'armer et de décharger son arme sur une foule d'honnêtes visiteurs. À l'heure où je vous parle, on le... Oui, il y a une photo. On dirait qu'il est mal au point le gars qui est sur la photo. Passage secret. Lorsque vous sautez de la haute rame, vous brûlez les ennemis à proximité. Ah ouais. Ça peut être très utile. Une prison. Ok, c'est les portes. Comme si je le savais pas. Oh,
soufflé, voilà, comment on enchaîne un ennemi. Qu'est-ce que c'est? Mais le corps, il a disparu. Tonique. Normal, quoi. Ouais, c'est un nouveau tonique. C'est quelque chose, ce truc-là. D'accord, je... Oula, merde. Oula, oula. Ah, la vache. En fait, ce qui est bien, c'est que ça les occupe pendant que vous leur tirez dessus, en fait. C'est surtout bien pour ça, en fait. Bon, ouais, ils m'ont dit de fouiller un cadavre, ce qui n'est pas leur fait ici, là. Voilà quoi. Un cadavre invisible. Normal. Bon, en fait, ce pouvoir permet de lancer des corbeaux sur vos ennemis. Il y avait déjà ça dans les précédents dans Bioshock. Il y avait déjà ce pouvoir-là. Rejoindre Monument Island depuis cette station. Ça ne me ressemble pas du tout. Non, je ne suis pas un voleur, vous devez m'admirer. Je ne dis pas admirer, je sais plus ce que je voulais dire, pas admirer, mais... Vous devez... honorer ou quoi, je sais plus. Ah, il reste une pièce. Cliniser ce truc. C'est quoi cette main là? La main du corbeau. Et bien ils font toujours la fête là-bas. Voilà, ça c'est le pont que je trouve beau, mais on n'y passera jamais. C'est comme la cloche qu'ils avaient fait
la première intro de Bioshock Infinity, il y avait dans une vidéo où on voyait une cloche, enfin un clocher, s'effondrer devant nous, mais en fait non, il n'y aura pas ça dans le jeu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils ont dû l'enlever. Putain, genre il m'a pas vu. Nacelle fermée sur du prophète. D'accord. Le retour du prophète. J'ai plus de batterie à mon portable. Mince. Ça sert à rien que je le sais, mais je vais l'éteindre. Vous avez pu reconnaître la madame, hein. Ah d'accord, il y a une latte. Je joue mal là. C'est pas possible, je joue comme une piste là. Dégage. Ah putain, mais ils sont en train de me déchirer là. Putain, mais c'est pas possible, putain. En fait voilà pourquoi je voulais vous montrer en fait pourquoi ils nous... Ouais mais c'est ma mère, ils sont synchrones ces fils de pute. Et ils restent pas bloqués derrière un mur. Ouah, il reste bloqué partout, ah, ça c'est le défaut du jeu, c'est le mec, on sait pas pourquoi, mais... Mais ah, putain, c'est quoi bien là. Ouais, 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 tiens, t'attends de mourir, bah vas-y, tiens, tiens, j'espère que je t'ai fait plaisir là. Il est où le fils de pute? Oui, je vais te couvrir de bas, saute. Ta gueule, tu vas crever. Ouais, t'as raison, je suis en fait. Wow, hey, mais franchement, je me souvenais pas que j'étais aussi nombreux avant. Toi, je vais te fatality, toi. Tiens, prends ça dans ton ventre, pédale. Quoi, c'est pas le dernier. Vas-y, mais viens. Viens prendre mes cheveux, salope. Elle est où? D'accord, ils sont deux. Toi, t'es mort. Et toi, tu vas manger.
Bon, tu vas... Putain, je vais t'achever, toi, mais comme il faut. Ah. Putain, c'était difficile, hein. C'était très difficile. Putain, c'est un peu, hein, ils m'ont fait chier ceux-là, ils ont pas été payés à rien pour trop. Ouais, je vais acheter des balles parce que voilà que c'est misère, surtout pour ma mitraillette, c'est le cas, ouais, c'est sûr. Petite soin, vas-y. Ouais, pourquoi je fais ça moi? Et voilà, je suis de nouveau apte au combat. Je peux pas prendre la vie. Oui, c'est quoi comme endroit, hein. C'est un genre d'accueil. Ouais. Ça c'est oui, prenez les tickets. Ouais, c'est en fait normalement le monument Island, c'est la statue en forme de ange. Avant les Parisiens, les gens qui vivent dans dans la ville où je suis là en ce moment, bah, ils pouvaient aller visiter le petit ange là, la statue là en ange, putain de merde, mais ils peuvent plus vu qu'ils ont tout fermé, voilà quoi. Et passer par là avant pour acheter des tickets pour aller visiter. Oui, vous inquiétez pas, j'ai fini de vous saouler. Mais c'est pour l'histoire. J'aime les dames qui savent apprécier la vraie valeur. Nous sommes désolés. Mais Monument Island est fermé. Vous devez partir. Les travailleurs peuvent rejoindre l'île en empruntant l'aérotram. L'aérotram, hein? C'est comme ça qu'ont débarqué tous ces flics pendant la tombola. C'est la ligne pour Monument Island. Je peux essayer. Ok, on va faire un petit tour de manège. Yeah. Yeah. Ça, c'est kiffant, ça. Tutu. Merde, j'ai raté mon coche. Nique ta maman. Je cherche l'agneau. L'agneau, ok. Oh yeah, ça j'aime bien. Bon là je vais prendre de la vie, voilà. On va augmenter sa santé. Pas sa barre de vie, je veux dire. Allez, on va arriver. Obligé.
piège, je me suis cramé le cul. Ah mais en fait je crois que si je l'écrame et si je les change en squelette, eh ben je ne peux pas les fouiller après, c'est l'inconvénient de ce. Et le Seigneur comprit que la cruauté de l'homme était grande. Il se repentit de lui avoir donné la terre, le déluge, pendant 40 jours et 40 nuits, et il anéantit toutes les créatures. Voyez-vous, mes amis, le Seigneur lui-même se réserve le droit de repartir de zéro. Et Columbia n'est rien d'autre qu'une nouvelle arche pour un temps nouveau. Aussi que j'aime beaucoup faire, c'est ça en fait, c'est de sauter de branche en branche. Voilà, wouhou! Les gars, vous avez pas remarqué qu'il vous manquait quelqu'un? Il les a dressés comme des chiens, ils sautent à la gorge. Il y a un autre aérotrame au-dessus. Si je trouve un moyen de grimper plus haut, je devrais pouvoir l'atteindre. Voilà où on va atterrir juste après. On va atterrir juste là en fait. Il m'aurait rien fait en fait. Il serait resté là à genoux avant de la dépasser comme des cons.
Je vais juste regarder si là où il y a un truc intéressant. Non, bon, pas de pire. Je dois monter sur le toit et prendre l'aérotram pour Monument Island. Je sais ce que vous faites là, faux berger. Je vois chaque péché qui pèse sur votre âme. Wounded Knee, l'agence Pinkerton, la boisson et le jeu. Et bien sûr, Anna. Aujourd'hui, pour effacer une dette, vous venez prendre mon agneau. Mais certaines dettes ne s'efface pas, Booker. Vous savez rien du tout. Mon domaine est la prophétie, Monsieur DeWitt. Le vôtre est la violence. Savez-vous pourquoi ces hommes mourraient pour moi? Parce que j'ai vu leur avenir dans la gloire, et cela leur suffit. Qu'est-ce qui vous amène à Columbia, Booker? Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Ça va mal finir, DeWitt. Et enfin, c'est souvent le cas avec vous, pas vrai? Ça finit toujours mal. Vous venez m'arracher mon agneau, mais votre houlette est mauvaise et votre chemin tortueux. Retournez dans votre sabbat. Oui, oui, je n'ai aucune pitié. Allez-vous-en! Oh putain, ça va. Ok. Ah! Non! Ah, je suis tombé. Bon, tu vas sauter ton crochet, PDA. Ok, tiens, on va avoir des tirs dessus, là. Tu sais que ça fait mal quand tu me tires dessus. Je crois que je suis avec. Oh, mitrailleux. Tiens, merde. Putain, j'ai plus tiré là. Ta gueule. Voilà. C'est moi qui va te tuer, PD. Je dois trouver les commandes pour rejoindre Monument Island. Bonne idée. Je les ai fouillés les deux autres mogols là. Je pense pas. Waouh. Comme c'est beau. Oh, il va à travers le paysage. Assieds-toi, et tout va bien se passer. Bon, ça, hein, franchement, vive le réalisme. Hein. Ok, je suis sûr que je peux le faire marcher. Le Seigneur, lui, peut tout pardonner. Mais moi, je ne suis qu'un prophète. Rien ne m'y oblige. Amen. Amen. Ouais, non! Ah, carrément. Ok. Faut couper le DC. Maman. Ah, c'est kiffant. Ça. C'est pas passé loin. Ouais, tu l'as dit. Punaise. Coup de feu.
En fait aussi le défaut du jeu c'est qu'on ne peut pas sauvegarder quand on veut en fait. Parce que voilà quoi, si il faut attendre d'être dans une partie d'un niveau qui où il y a écrit sauvegarde en cours. Pour pouvoir revenir à la sauvegarde où là où on est en fait, comme là en fait, ça s'est passé avant. Mais si j'avance genre au moins 5 minutes et que je quitte la partie, bah, je pourrais pas recommencer la prochaine vidéo là où je l'ai terminé pour la précédente. Ça fait que je suis obligé, si je veux commencer la prochaine vidéo là où j'ai terminé la précédente, bah, de passer des étapes que j'ai déjà passées en fait. Et ça c'est un peu ennuyeux en fait, enfin, ennuyant. Avec, je crois qu'on va s'arrêter là parce que ouais, ça sert à rien que j'avance plus. C'est pour distributeur. On va d'abord prendre des balles. Alors ça c'est un distributeur pour améliorer les armes, je crois. Non, c'est pour améliorer le pouvoir. Enfin les pouvoirs. Ouais, on va prendre ça. Accepter. Possession now turns machine and man into allies. Ah, je sais pourquoi ça a pas marché en fait, peut-être parce qu'il était pas actif en fait. Ou peut-être parce que je l'avais pas acheté. Bon, on va prendre des kits de soins, après des cristaux, et puis des balles. Voilà, on s'est ravitaillé là. C'est beau ça là. Faut qu'on peut reprendre le train. Ah non. Ouais voilà. La façon c'est ici qu'on va se quitter pour cette troisième partie. Parce que je n'ai pas le choix. Bon allez, ben moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie de ce Wattfou, enfin pour la suite de ce Wattfou. Allez, ciao, bye bye.